Voilà un événement que le protocole ne pouvait pas prévoir. En effet, le média L'Express évoque ainsi que le chien du jockey italien Franky Dettori aurait uriné sur l'un des tapis persans de la reine Elisabeth II. Alors que l'homme célébrait une victoire, son chien, un teckel, se serait échappé. J'ai gagné une grande course là où j'habitais, alors j'ai invité un groupe de personnes à faire la fête dans mon jardin. J'ai tout laissé ouvert et ma chienne teckel s'est enfuie, elle est partie chasser dans les champs. Si elle s'est enfuie, elle a été récupérée par un membre du personnel de la reine Elisabeth II. J'ai reçu un appel téléphonique le matin pour me dire, nous avons trouvé votre chien, elle est saine et sauve, pouvez-vous s'il vous plaît venir la chercher? Ainsi, le jockey va chercher sa chienne, il a dit, eh bien, nous allons chercher la reine à Sandringham et elle va descendre à Newmarket pour regarder d'autres chevaux galoper, donc si vous venez vers 7h, vous pouvez dire bonjour à la reine et récupère le chien. Heureux d'avoir enfin retrouvé sa chienne, il a demandé à sa femme de le suivre. L'homme décrit alors sa rencontre avec la reine Elisabeth II. Et la reine était là, elle était immaculée comme à son habitude et nous avons eu une petite conversation. J'étais vraiment gêné mais voilà que lorsque sa chienne arrive, rien ne se passe comme prévu, et ils ont laissé la chienne sortir de la cuisine et elle a couru droit vers moi et la chienne a fait pipi sur le tapis persan, a déclaré Franky. Alors j'étais vraiment gêné, c'était un moment embarrassant et j'ai été conduit à la porte très doucement. Un souvenir inoubliable pour Franky.